Bonjour, je m'appelle Damien Le Tulle, je suis un archer paralympique. Alors moi j'ai une carrière un peu atypique, sachant que j'ai une carrière valide. Donc j'étais en équipe de France avec 23 sélections et un record du monde, double médaillé aux championnats d'Europe et aussi pour terminer les Jeux Olympiques en 1996. Suite à cela, j'ai eu un accident à l'INSEP en 97 qui m'a rendu tétraplégique, qui a arrêté ma carrière directement. Et suite à ça, j'étais plutôt investi dans les instances et au niveau de mon club à Cherbourg. Et depuis la nomination des Jeux de Paris en 2024, j'ai décidé de reprendre mon arc. Et sachant que ça se passe plus ou moins bien, j'ai réintégré l'équipe de France et j'ai fait ma première Coupe d'Europe cet été où j'ai terminé 7e. Alors, on a deux types d'entraînement. On a du tir sur cible et du tir sur paille pour travailler le geste. On tire environ et au maximum, pour ma part, sachant que j'ai une diminution un peu musculaire, environ jusqu'à 1000 flèches par semaine. Alors aujourd'hui, ma vie est un peu décousue, entre guillemets, sachant que d'un côté, je travaille le matin parce que je vends du matériel pour les personnes en situation de handicap. Et l'après-midi, je viens souvent m'entraîner 2 à 3 fois par semaine ici au Creps, ainsi que chez moi, où j'ai la chance de pouvoir m'entraîner dans le jardin. Donc c'est l'occasion de pouvoir partager deux situations d'entraînement différentes. Voilà. Parce que, en fait, d'une part, la proximité, c'est pas trop loin en fait, de chez moi. Les installations sont magnifiques pour pouvoir s'entraîner. L'accessibilité pour venir jusqu'au pas de tir. Et aussi l'intervention d'Olivier qui s'occupe du pôle en même temps qui intervient auprès de moi régulièrement. Alors, bien sûr, 2024 avec les Jeux de Paris. Mais en attendant, il y a les sélections qui auront lieu dès cet été avec un championnat d'Europe à Pilsen en République tchèque et un championnat du monde à Rotterdam au mois d'août.